qu'est-ce qui se passe en dedans. Mais je dis, il faut voir le fond en fond. Hein. J'ai créé mon association de fêtes des copains des petits bitumes il y a 20 ans. Donc, les trois quarts des gens, je les connais. S'il te plaît. Merci. Nous, notre spécialité, c'est de trouver des gens de la rue. La voiture. Ok. Pas de problème, pas de problème. Ça va ta voiture? Oh, ouais. Je check. Tu filmes ou tu... Je filme tout le temps. Mmh. Et ça va passer où? Sur YouTube. Alors, je dis à cette Marocaine qui pose la question, je connais beaucoup, il y en a à qui j'ai dit ne fais pas, ça va se terminer très mal, je connais l'histoire, on a fait ça il y a 5-6 ans, là. Mm-hmm. On commence à se serrer les lèvres et tout ça, et moi je dis que c'est une récupération politique. C'est-à-dire que ces gens, on a eu besoin d'eux. Un Belge ne veut plus conduire un tram, ne veut plus conduire un bus, on avait eu besoin d'eux. D'accord. Mm-hmm. Comme les Italiens, on a eu 22 du temps des mines, on leur a promis une maison avec un jardinier devant et ils n'ont jamais rien eu. Hein. Vous êtes bien d'accord avec moi? Oui, bien sûr. Je suis fils de réfugié politique espagnol. Hein. Tu dis? Je suis fils de réfugié politique espagnol. Donc c'est honteux déjà la Belgique qui a fait venir tous ces Italiens et qui n'ont pas eu ce qu'on leur a promis. Hein. Ils sont tous morts d'un cancer du poumon et tout. Ben, on a eu la blague de l'Expo 58. Où on avec a les os humains. On a fait l'exposition avec le stand. On appelle ça le Congo belge à ce moment-là. Ouais. Ok. Si je me trompe, tu me le dis. Hein, panique. J'ai commencé à 80 ma journée. Pas de problème. Je rentre au stand. Et il y avait des noirs qui. Les Belges jetaient des cacahuètes dans un parc. Tu sais, ouais, c'était un zoo humain, ouais. Et moi, j'avais 12 ans. T'as vu ça? J'avais 12 ans, mais j'étais révolté. Et tu l'as vu? T'étais là, t'étais à l'expo. Oh putain. J'étais avec mes parents, j'étais révolté. Ça m'est resté toujours dans la tête. Et je le répéterai toute ma vie. Comment la Belgique a permis à des Belges de jeter des cacahuètes dans un parc? Mm-hmm. Bon, on va laisser tomber un temps, là, les gars. C'est pas le sujet. Ça, maintenant. Il y a quand même quelque chose, il faut admettre du ministre, que, on ne va pas citer son nom, il dit que ces gens sont rentrés illégalement. Donc il n'y a pas de raison de leur donner satisfaction. Je ne lui donne pas de raison. Parce qu'à ce moment-là, après eux, ça sera d'autres qui vont arriver et on est parti toute la vie. Ça, là, je suis d'accord avec lui. Mais ce qu'on doit absolument refaire, qu'on a fait, je crois, il y a 8-10 ans, c'est de refaire un référendum. Moi, j'ai accompagné tous les gens en CPS, on fermait le dossier, ok, il était scellé, on l'envoyait au bourgmestre, et c'était oui ou non. Et j'en ai eu beaucoup, 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 que ça a été ok. Parce qu'il parle avec le gars du CPS, et on a eu des chances incroyables. Il y en a qui s'étaient refusés, parce qu'ils ont menti, ils voient tout dans la banque Carrefour, ils voient tout. Moi, j'ai vu un cas incroyable, le gars donnait de l'argent au gars du CPS pour avoir. Il comprenait que le gars, il était grillé. Et moi je lui dis, mais en fait, t'es complètement fou. Je dis, tu viens avec moi, je t'accompagne. Et tu t'en vas lui dire, viens à moi. Et je t'aurais dit, ne fais pas ça, le gars est intègre. J'ai mon copain Kamal qui est sorti. Intègre, il va pas se faire. Quoi. Bon, alors maintenant, il y a ces fameux vendeurs de sommeil. Bonjour, donc, monsieur. Bonjour. Bon courage, mon ami.